Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons continuer notre chasse aux Eleusis. Cette fois, c'est au parc Mipha que ça se passe. Alors, cette grotte-là, on l'a faite. Mais c'est celle qui est là qu'on n'a pas faite. Est-ce qu'il y en a vraiment une? Oui, il y en a une, effectivement. Ah, est-ce qu'on l'a lu, ça? Est-ce qu'on l'a lu? Il y a moyen qu'on l'ait lu, hein. En même temps, il y a moyen qu'on ne l'ait pas lu. Hein, puisqu'on est passé dans la grotte et on l'a pas prise. Connaissance des auras, anecdote 1, flux de l'eau et de maniement de la lance. Moi, c'est donc prince des auras et résolu d'inscrire si on l'a lu, c'est la première. On l'a lu. Bah, la falaise, alors que les gouttes de pluie s'alignèrent entre ma main et la falaise, puis former un flux épais. Si, on l'a lu ça. On l'a lu. Tout à fait. Tintin. Alors. Il y a un bruit d'éluge, donc a priori c'est une grotte qu'on n'a pas prise déjà. Oui. Juste là, ok. Nouveau donc. Grotte du mont de la foudre. Ah. Ah bah salut. Bonjour. je pensais pas qu'il serait dès l'entrée. Mais écoutez. Quand même explorer la grotte, hein. Ouais. On va explorer la grotte parce que généralement, quand il y a une grotte aussi grande, il y a lambda pas loin. Et donc, là, il y a effectivement lambda pas loin. Tenue de grenouille oblige. Améliorer, évidemment, sinon on glisse quand même. Enfin, on glisse pas si on est que comme ça. La tenue grenouille, on glisse pas en faisant comme ça, mais dès qu'on fait un saut, on se casse la gueule. Alors que si elle s'est améliorée, on se casse plus la gueule. Puisqu'on a vu le ça là. La petite pique, la petite lance avec du tissu. Ça, c'est signe de lambda, ça. Voilà. Est-ce que c'est la deuxième tenue d'escalade? Eh oui, c'est le bandana d'escalade. Ok, ce qui semble être un simple bandana est en réalité le fruit des technologies antiques, un accessoire d'escalade aidant à garder l'équilibre et à grimper plus facilement. On a donc la tenue d'escalade au complet maintenant. La question c'est qu'est-ce qu'il nous reste comme tenue, autre celle des Link. Parce que ça c'est dans les profondeurs. Ça m'étonnerait qu'ils aient éparpillé les tenues. Mais je veux pas ramasser les graines lumos, je veux taper. Qu'ils aient réparti autrement, donc attendez, hop. Les tenues. Prodige, machin. C'est Ilien qu'on n'a pas peut-être. Ouais, il nous manque la tenue Ilienne de base. Le t-shirt, mais ça s'achète, je pense. Paf, Zora, ça c'est bon. Il nous manque les bottes de ça. Barbare, il manque Nox. Mais c'est à peu près tout. Hein. On a trouvé le Ruta. On a trouvé pas mal de tenues là ces derniers temps. On a les casques en solo et ensuite on a ça, là. Ouais, ça après c'est les tenues. Il nous reste plus tant que ça, hein, à moins qu'il y ait des tenues en plus. Attendez, juste au-dessus la grotte là. Merde. C'est une autre entrée, non, je pense pas. Hein. Je pense pas qu'il y ait une autre entrée, donc ça doit être une autre grotte. Mais ouais, du coup, il nous reste plus tant de tenues que ça. Il doit nous en rester 2-3 en profondeur, mais je pense pas qu'il nous reste des trésors de lambda. Ah si, peut-être les deux de la tenue Nox. Si, probable. Ta la 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 la. Je suis désolé de me montrer ainsi, Mipha, mais je suis en grenouille. Il n'y a pas une grotte là, du coup. Oh, bon, ça m'indique que si. Hein. Ça m'indique.
Mais du coup, là, ça m'indique plus. Il n'y a pas d'élusis, hein. Bon, ça se fait que je voyais une grotte, alors. Soit c'est un... un mauvais clic. De ma part. Là, il y a un camp. Ah. Attendez. Where is the grotte? Ah, the grotte est juste là. Non, donc ce n'est pas un mauvais clic de ma part. Je sais pas comment j'ai réussi à la voir celle-là par contre. Parce que... je vais la voir. C'est pas là qu'est passé Varuta? Lac du barrage. Ouais, hein. Non. Varuta, elle est arrivée jusque là. Elle est partie de là. C'est au zéro. Parc Mipha. Non, le barrage est parti de là, elle est montée jusque là. Donc non, c'est pas par là qu'elle est passée. Ok, est-ce que je l'ai faite du coup cette grotte? Non, je ne l'ai pas faite. Faut trouver les lusis. Par là-bas, ça m'a l'air bien. Alors qu'est-ce qu'il y a ici cette fois? Ok, là il y a l'Élusis, le fameux, que l'on cherche. Voilà. Ouais, on n'a plus de flèches. Méthode radicale, hein. Par là, il y a quoi du coup? Des petits cailloux. Et c'est tout. Des petits cailloux bleus. Très bien. Très bien, très bien. Bon bah ça c'est fait. Il nous reste maintenant celle qui est aux gorges de Molo juste là. Je vais quand même vérifier qu'on l'a fait ce... bon, on l'a fait ce temps, ce camp. Ok, donc du coup on va aller là-bas. Je pense que je peux enlever ma tenue pourrave de la grenouille. Et remettre notre ami du crépuscule. Un vrai bouclier, l'épée de légende. C'est vrai que j'ai pas le bouclier de... bouclier ilien, il est dans ma maison là, mais il bouge plus. Que j'ai pas envie de le perdre. C'est un peu relou. Pin 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 pin. Après, je peux peut-être le racheter, hein. Est-ce que je peux le racheter? Parce que si il se brise, je pense que je peux le racheter chez Gouttier, non? C'est complètement con d'ailleurs. Le bouclier d'Ilia devrait pas pouvoir se briser comme la Master Sword, hein. Moi, s'il peut récupérer ses forges, j'en sais rien, mais. D'où Gouttier, elle a le bouclier Ilia, quoi. Oh. Il y aurait une grotte, là. Wait a minute. Bon, ça se fait que j'en vois pas le... le faisceau de l'entrée, là. Il y a clairement un truc dans la cascade, non? Non. C'est par là. Oh, mais attendez. Quand même un gros sous-size. Il y a des gros rochers partout, je sais pas trop pourquoi. J'ai mal collé au truc. Voilà. Tu m'as trouvé. Alors voyure.
La grotte là. J'ai plus les faisceaux. Ça a disparu. Ah, c'est les faisceaux qui ont disparu, putain. Merde. Ouais, bon, là, il y a une grotte, on est d'accord. Hein. Bon, c'est celle que j'avais trouvée. Hein. Grand test de mollo. On va pas y aller mollo du tout. Ok. Toi, tu es là. C'est facile. Vite, je peux te taper. Ok. Il y a un boss là. Ouais, il y a un boss. C'était sûr. Oh, j'ai plus de flèches. Comment je vais faire? Je vais devoir invoquer mes potes. Hein. Non, 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 non. Bon, j'ai qu'une seule flèche, on va quand même l'utiliser à bon escient. Ah, sale race, si ça va, j'ai pu le toucher. Paf, paf, paf. Ok, mollo, il dégage. Pin, 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 pin. Saumon max grillé, oh bah c'est con ça. Vraiment très con. Flat loot. En train de me dire qu'il y a un autre Elusis. Attendez quoi? Attendez, parce que là il y a du coup une autre entrée de la grotte qui n'a pas été prise. Comment ça se fait? Il y a peut-être un autre arbre. Hein. Parce que l'arbre que j'ai placé ici, il prend pas la... Ah, cela dit, il y a un sanctuaire juste là. Où le sanctuaire? Il est sur la falaise, je crois. Ok, juste là. Parfait. On va remettre une pomme. On va remettre une pomme et on va revenir là. Parce qu'il y a l'air d'avoir des grottes dans la région. Parce que j'ai entendu un élus ici, au moins... Au moins une autre grotte. Mec, un élévis dedans. Hein. Si on est d'accord, là, il n'y a plus les... Il n'y a plus les indications. Hein. Non, il n'y a plus les indications. On va remettre une pomme. Avec de la violence. Voilà. Tandoum. Allez hop, on me réactive ça. Merci, bonsoir. Parce que aussi bien il y en a sur la falaise et que là je peux pas les voir quoi. Même depuis la tour. Je peux pas observer les... Ça me paraît bizarre que surtout en dessous de là du sanctuaire il n'y a pas de grotte. Alors que c'est quand même beaucoup de montagnes et... Il n'y en a pas une quoi. Pala pala. Ah, vous voyez déjà. Bon, ça c'est celle qu'on vient de le sortir en même temps. Mais celle-là on l'avait pas vue, de toute façon. On va virer nos. Non, on va les garder. Hop. Là il y en a une là. Nécessairement. La question c'est est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on prend de la hauteur? Celle-là, on est d'accord, c'est qu'on l'a prise. Ça va jusque là-bas? Ah oui, ça fait vraiment... Ça couvre toute la région, ok. Donc oui, on va prendre de la hauteur. Parce que ça, vous voyez, déjà, j'en vois une autre. Je suis pas sûr qu'on l'ait, celle-là. Là, vous voyez, rien que celle-là. Je crois pas la voir. Ouais non, ok, il y a une grotte dans les parages. Cohérent. Il n'y en a pas d'autres sur ce côté là. Je suis surpris.
Mais c'est possible que j'en ai loupé des comme ça dans les autres régions, hein. Il y avait un pont, certes. J'ai entendu un Elusis tout à l'heure, donc je suis sûr. Oh, saloperie! Oh là là. Breath of the Pluie, c'est toc. Tears of the Pluie aussi, hein. Bon, en même temps, il y a déjà des larmes dans Tears, mais. Il pleut pas? J'ai eu la berlue. Il pleut pas. Ok, il pleut pas. Très bien. Tout va bien. Y a pas un Elusis quelque part là. On l'a entendu tout à l'heure dans la grotte, hein, pourtant. Il y a forcément un autre. Ouais, ou... Ta 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 ta. Hop. Ta 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 ta. Tu m'as trouvé. Oui, je t'ai trouvé. À la voyure. Ok. Attendez, mais il a disparu l'Elusis, c'est le jeu qui buguait ou... Il y en avait bien un autre au niveau de la grotte. Ah. Ça, c'est la grotte que j'ai fait. Je viens de faire. Ah, attendez, il y a madame là. Elle est de retour ou. C'était déjà ici? Oui, c'était déjà ici. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle s'est toujours pas barrée. Ah, mais si je lui parle, elle va se barrer. Elle va avoir peur. C'est par où l'école? Bonjour. Hein? C'est pas par là le village des limites. J'ai appris auprès des Gerudo qu'on fabriquait des peluches de morses de sable. Il faut encore que j'arrive à les livrer aux enfants de l'école des limites. J'ai hâte de voir leur tête ravie quand je distribuais les peluches. J'espère que mon air offrenait les intimes et les rapas. Je sais comment résoudre ça, je vais m'entraîner à les distribuer. Comme ça, je serai prête le moment venu. Bonjour, sous la dame aux peluches des morses des sables. On aura vu mieux pour se présenter. Et si je disais ça? Salut les enfants, alors ça morse? Voilà, je suis vraiment ridicule. Mais c'est pour faire sourire les enfants. La bonne cause en quelque sorte. Qu'est-ce que tu fais? Ouah! Évidemment. Mais tu viens de me voir là. Oh, tu m'énerves. Et ça t'amuse de me faire sursauter, j'essaie de réfléchir, j'ai besoin de me concentrer. T'es vraiment sans gêne, laisse-moi tranquille, ok? Regarde un peu, c'est un bel peluche de morse de sable, sont éparpillés aux quatre vents. Alors ça sera sans moi. Hein. Oh là là. Je vais l'aider quand même, je peux pas la laisser dans la panode. Les peluches éparpillées sur le chariot, blablabla. Alors techniquement, on est d'accord. Ah c'est ça, elles sont toutes censées. Mais lol, comment j'y ai pas pensé plus tôt? Techniquement on ricole un par un et on est bon. On est d'accord. C'est pas le plus rapide. Mais c'est le moins chiant. Ah, tu remontes pas, toi. Mais. C'est honteux. Ta-la-la, ta-la-la.
Talalala. Allez, sérieux. Prends celle-là. Elle est passée où la bleue? Ah. Là, je crois que je l'avais envoyée dans le vide intersidéral, quoi. Allez où? Quoi, il en reste une? Mais elle est où? Elle est où la plus... Non. Mais d'où? D'où il en reste une? Oh, elle est passée derrière, c'est une blague. Mais quoi? Allez, quoi. Elle est tombée. Bah si, j'ai tout ramassé. Recall, c'est fort pratique. C'est fou que ça marche. Je trouve ça vachement bien. Ouais, pour avoir une bonne... Ah zut, encore raté. Bref. Mais oui, mais je sais pas toujours ce que tu veux, toi. Comment je fais pour que tu ailles au village des limites? Je peux t'y amener si tu veux. Hein. Village des limites. Peut-être que je fasse quelque chose. J'ai une quête à faire au village des limites. Message des temps anciens, pacification des bras. Ah, c'est peut-être une pacification qu'il faut que je fasse. Bah non, les bras, elle a rien à foutre là-bas. Bah non. Non, il n'y a plus rien là. Bah merde alors. Toi tu vas rester là toute ta vie. Elle va jamais aller au village. Au village des limites. C'est un peu très con quand même. Celle-là je viens de le faire. Pourquoi tu me dis qu'il y a encore un. Un Elusis quoi. Oh, il se remet à pleuvoir. Mais c'est le cancer cette zone. C'est la pire région du monde. On peut pas avoir la classe. On est obligé d'avoir la tenue grenouille quoi. C'est horrible. Je suis obligé de traîner du fiac. Allez où hein. Ok. Tatala. Bon, là, il y a quelque chose là. Il y a bien une grotte. Bon. Et donc un Elusis. Grotte sud de Molo. Si avec ça, il n'y a pas la tenue. Nox. Lambda. Non, sérieux? C'est encore cassé. C'est un rock. C'est un rocher. Ah, c'est quand même plus efficace. What? Ah. Une bombe, on va avoir besoin de toi. Voilà. Ah! Ok, il y a un Little Rock. Broom. Yunobo, on va avoir besoin de toi.
envoyer ça et des bombes. Pin, 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 pin. Salut. Et on se réveille, monsieur. Ta 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 ta. Explosion. Explosion des pandas. J'ai ma gemme, toi. Ouais, t'as un truc, toi. Ok. Hop là. Tout. Où est l'élusis? Pas par là. Hein. Pas par là. Minéro avec son gros caillou. Un peu ridicule. Oh, un saphir. Ah, tu es là. Je peux pas l'attaquer, Babil. Vas-y, fais-toi plaisir. Allez, Babil. Tire du dessus. Je vais vraiment lui tirer une flèche, quoi, alors j'en ai plus. Bon. Ok, 95. Oui, il y en a une autre là. On va les faire. Tant qu'on a les lumières. Et ensuite, honnêtement... On retournera voir Coltine pour qu'il nous dise où est-ce qu'il renifle un Elusis, quoi. Parce que là, la technique des Satori, ça va pas le faire. Enfin, ça va plus le faire parce qu'on a eu le gros là avec les Satori, mais on n'aura pas la suite, quoi. Parce que celle-là, par exemple, on la voit pas. Hein. Caché ici là, aucune chance de l'avoir. Par contre, ça reste pratique tout de même. Oh, attendez, c'est moi ou il y a un conflit de une pauvre personne en détresse. Pour aller l'aider quand même. Paf. Béni, mais oui, tu t'en bats pique, aide-moi à me sortir de ce pétrin. Mais c'est fait déjà. J'ai eu chaud. Tu es fort, dis-moi. Tiens, pour te remercier de m'avoir aidé, ce n'est pas grand-chose, mais c'est pour toi. Gâteau à la citrouille Solaris. Oh. C'est nouveau, ça. Moi, je continue de suivre la trace des mystérieux géoglyphes apparus après le cataclysme. Mais comme j'ai pu voir celui qui est ici, j'enquête sur les rumeurs de dragons. Selon la rumeur, il n'y aurait pas qu'un seul dragon, mais plusieurs d'entre eux, chacun ayant une apparence différente. Les témoignages que j'ai récoltés font état de trois dragons. Un rouge, un bleu et un doré. Ce ne sont que des rumeurs, elles restent à vérifier. Mais je prends un grand plaisir à suivre leurs traces. Un bleu, un rouge, un doré, non, c'est un électrique, mais le doré, il n'y était pas. Discuter avec toi a ravivé mon envie de percer les mystères. Bien, je vais me reposer un peu avant de me remettre en route et une prochaine fois. À moins que doré, c'est vert clair, mais... Je crois qu'il y avait un sanctuaire ici avant. Désormais une grotte, ce qui n'est pas incohérent en réalité, que le sanctuaire laisse place à une grotte derrière. Si le sanctuaire a été enlevé... A disparu complètement. Une grotte de l'abbé Doron. Ah ah! Bon, ça semble. J'aime Nox, hein. Bon, sûr, je me suis loupé, quoi. Enfin, déjà, j'ai plus de. Ah, il s'en fout. Mais quoi? J'ai mis sur le truc, ça a ramé, sérieux. Ah bah Babil, fais-le tomber au moins, quitte à lui tirer dessus. Non, là, c'est pas ma vie. Paf.
peux pas tomber dans la flotte, sérieux. Oh. Bon, moi je vais prendre une vraie épée. Hop, ok. Tout, tout. Ouais, c'est clairement lambda. Ok, l'aiguille c'est là. Ah, il y a la marée, attendez. Oh, ça le loupé quoi. Il y a la marée. Incroyable. 96. Hmm. Là, il y a des pics. Faut attendre la marée haute. Pour pouvoir nager au-dessus, je suppose. Bon, je peux passer là, ça marche aussi. Là. Et que Babil. Super. Ah là là, Vérole. La tenue du swag. Mais où es-tu? Et t'es au-dessus? Non, juste en dessous, ça. Je l'ai cherché juste en dessous. N'importe quoi. Paf! Bon, c'est Gemnog, je suppose. Y a plus que ça. Hein. Pantalon isolant. Ah non, y a pas pantalon isolant, effectivement. Ok, incroyable. Bah, maintenant, ça sera les Nox, hein, je suppose. Parce que je crois que le pantalon isolant, il me reste plus à en avoir. Je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai tout. J'ai toute la tenue. Ma foi, fort moche. On va virer les trous de balles là. Ils nous embêtent. Ils prennent la place à l'écran. On se voit plus. Ok. Sur cette tenue. Toi, dégage. Sur cette tenue, nous allons nous arrêter là pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.